Salut amis de YouTube, merci d'être sur cette vidéo afin de la regarder. Je remercie encore toutes les personnes ayant mis des commentaires, des petits follow et des pouces vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Dans cette vidéo, Basim rentre en initiation avec ceux que l'on ne voit pas. Je vous souhaite bon visionnage. Comment te sens-tu, Basim? Prêt à faire ce grand saut? Je tiens à ce que tu saches que ça a été un honneur de te voir suivre la voie de novice et devenir un homme. Je te suis reconnaissant, Fulan, de m'avoir montré le chemin. J'en suis honoré. Viens, ta nouvelle tenue n'attend que toi. Ah, elle te va bien. Viens, il est temps. Comment t'es-tu senti en ce jour si lointain? J'étais effrayé. J'avais les mains trempées de sueur et mes genoux tremblaient comme une aveugle. J'ai un peu de mal à t'imaginer effrayé. Laisse-moi te faire part d'un secret, Basim, en ce jour important. Le courage, ce n'est rien d'autre qu'agir justement lorsqu'on a peur. Basim ibn Israq, es-tu prêt à quitter ton ancienne vie et à emprunter le chemin de l'ombre? Je le suis. Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu as cru être? Et prêt à sacrifier tout ce qui t'était cher? Je le suis. N'oublie jamais les préceptes que tu as juré de respecter. Ta lame épargnera la chair de l'innocent. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais la confrérie en danger. Alors, depuis l'ombre, tu rejoindras la lumière. Et de la lumière, tu regagneras les ombres. Basim ibn Ishaq, tu suis à présent la voix de l'aigle. Bienvenue chez ceux qu'on ne voit pas. Tu es mort, et tu es né de nouveau. À présent, affronte-moi, en tant qu'égal. Oh.
Perds-tu ta concentration? Tu laisses de nouveau la colère l'emporter. Je ne me rappelle pas t'avoir enseigné ça. J'ai retenu la leçon, Rochelle. Donnez. Nour. Nour. Ménage-toi surtout. Conserve tes forces. Et la voyager léger. Quitter Bagdad en toute hâte. Tiens, bois. Ali. Il a disparu. On l'a emmené en pleine nuit. Qui l'a emmené? L'ordre. Qu'on l'amène dans ma tente. Si Ali a disparu, nous voici aveugles. L'ordre a jeté un voile sur Bagdad et ses actions. Nous devons aller à Bagdad. Roshan, Basim, accompagnez Foulad. Partez sur le champ. Nous devons y aller. J'aimerais jeter un coup d'œil d'abord, si cela est possible. Je désire voir Bagdad et ses environs. D'accord, mais ne traîne pas. Nous aurons beaucoup à faire une fois à Harbiya. Cherche une cour couverte de treillage près de la mosquée de Shari. C'est là que nous recueillons ces informations. Nous serons là-bas. Bon, où mon cœur va-t-il me mener maintenant? Oh.
Tant de visions familières. Ravi de te revoir, Baghdad. Montre-moi donc ce que j'ai manqué. Ça ne sera plus très long. لا تتمادى. دعونا نتوقف لرؤية خلايا وأفضل ربما من الأفضل يعيش وقلة الزنازين. لم يسبق هذا خطين للرابعة Voyageurs, revenez-vous du bazar chargé de marchandises. Vous demandez-vous comment les mener à bon port? Allez voir Asif, le vendeur de dromadaires. Il vous proposera les meilleures bêtes de son... Sois mes yeux et mes dos. Va, tranquille. C'est donc ça, un bureau de ceux qu'on ne voit pas. Je m'attendais plutôt à un taudis. Mais certains bureaux le sont, et d'autres sont ornés d'or fin. Peu importe la nature du lieu, ce qui compte est que notre présence demeure un secret. Ce qui est assurément le cas ici. Vous avez découvert quelque chose d'utile ? Rien qui indique où pourrait être Ali. Mais... Nour était en lien avec un dénommé Béchi.
Un nom que je connais comme étant celui de l'un des plus proches alliés d'Ali parmi les rebelles. Il travaille sur les quais, au port supérieur. Vois s'il se trouve dans les parages. Peut-être a-t-il découvert pourquoi Ali a disparu. J'ai trouvé quelque chose. Il semble que Nour ait tracé le plan de ce quartier. Il a indiqué les ateliers au nord. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des sympathisants des rebelles. Si Nour a eu des raisons de s'y rendre, c'est une piste qu'il faut creuser. J'ai compris. Cette piste est assez mince. Mais au moins, c'est un bon début. Foulad et moi allons tâcher d'en apprendre davantage. Sois prudent. وراني على الأجسام الساكنة. آني، هل هم مؤذون؟ أم مؤذون فحسب؟ يحدث الآن. هل تصدق أنني استدعيت للوصول أمام المحتسب مجددا؟ لم يكن وزن بعض نقودي مضبوطا. لحسن الحظ أن قريبي كفلني، وإلا قيدوني. صاحبة
Montre-moi ce que tu vois. Nous sommes des frères, nous tous, et Paul nous préfère. Car si l'un d'entre nous tombe, c'est tout voisin, c'est personne qui nous tirait. Aimerais-tu goûter à nos délices mélodiques? C'est peut-être Béchi qui rallie ses hommes. Ce combat, lui aussi, tiendra. Alors, affûtez vos lames, mes frères. Priez pour qu'Allah guide votre bras. Car en ce jour, une grande victoire... C'est toi, Béchi? Je suis un allié de Nour. Tu le connais, n'est-ce pas? Je le connais, oui. La dernière fois que je l'ai vu, il fuyait la ville comme une souris. Est-il en vie? À peine. Mais il est en sûreté. Cette vieille mule. Comment dois-je t'appeler? Bassim. Très bien, Bassim. Dis-moi, as-tu une autre lame que ce couteau à beurre? Tu pourrais avoir besoin de quelque chose d'un peu plus efficace. Pourquoi donc? Vous comptez aller chercher Ali? Pas encore, non. Il n'y a ici que la moitié de mes hommes. Les autres sont retenus au port, un peu plus loin. Nous sommes probablement trop peu pour lancer un assaut. Alors si tu veux libérer tes hommes, mieux vaut jouer de prudence. J'irai, discrètement. Que ces hommes attendent ici, pour escorter ceux que nous libérerons. Vous avez tous la même manière de penser, mais le plan est bon. لا جدوى من تحدي صاحب الشرطة في أي وقت عما قد لقد أخذوا pour l'émir de Barda, lorsque j'étais de garde à côté de la porte. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Pas d'une grande jeunesse. Montre-moi le chemin. Thank you.
n'aime pas la tournure de... T'enfuir, lâche! Lâche! Saleté, reviens te battre!
vos flèches! Transpercez cet idiot! Ah, te voilà! Chien sans échine! Je te tiens! Je vais t'enterrer! C'est ça! Allez sur les quais, retrouvez Béchi. Garde, ça n'a jamais été ta vocation à toi. C'est toujours bon de garder. Reste à bonne distance, hein. بديلة بل قمة الكمال المطلق فقط من أجلكم أيها الطيبون. Les gardes vont se montrer vigilants. لقد فقد العديد من الرجال. حسنا، على ما كل ذلك؟ Thank you.
وجود الإخوة ليل شعب الفوضى في أنحاء Merci infiniment.
mort. Il n'y en a plus. Je dois maintenant les rejoindre. Tu es tenace, Basim. Je ne fais que mon devoir. Ensemble, nous mettrons fin aux malheurs de cette ville. Ces malheurs sont l'œuvre d'Al-Ghul, celui dont on ne fait que parler sans jamais le voir. Que peux-tu me dire à son sujet? Il s'empare des ennemis du califat et les envoie creuser dans le désert. Prisonniers, rebelles, ouvriers, pour y chercher je ne sais quoi. Ces hommes avaient été capturés en même temps qu'Ali, il y a des semaines, et devaient finir leur vie dans le sable. Pas Ali. Il a été emmené ailleurs. Ils nous ont marqués et séparés. Ali était dans un autre groupe. Il tenait à l'interroger à propos de toi et de tes amis. Peux-tu me montrer cette marque ? Qu'as-tu en tête, Basim ? Ali et Nour se sont suffisamment approchés d'Al-Ghul pour qu'ils le remarquent. Si nous trouvons Ali, il pourra nous mener à Al-Ghul. C'est une solution, oui. Mais il y en a peut-être une autre. Je vais aller où ces hommes étaient envoyés creuser, et me faire passer pour un prisonnier. Tu es devenu fou ! Entêté seulement. Tiens, prends ceci. Que suis-je censé en faire ? C'est un jeton de Khidma. Ceux qui en connaissent la valeur feront ce qu'ils pourront pour t'aider. Je vais envoyer ces hommes au Moulin à eau, dans les faubourgs du Nord. C'est une place forte rebelle. Tu y seras le bienvenu. Wafakakallah. Barakallah, Ofik. Ma recherche d'Ali se poursuit. J'obtiendrai peut-être quelques indices dans le quartier de Shari. Nous voilà à la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusque la fin de celle-ci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, je le répète, mais ça aide et ça soutient beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut !